Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Noz. Je suis allée chez Noz, ça fait un petit moment, mais j'avais pas encore eu le temps de faire ma vidéo. Donc tout ce que j'ai pris, je l'ai mis dans une corbeille et quand j'aurai un petit moment, je vous ferai la vidéo de ce que j'ai pris chez Noz. On va commencer. Déjà, j'ai pris ce petit sac. Alors, j'ai pris ce petit sac parce que maintenant j'ai mis derrière mon canapé des meubles Kallax et j'ai rangé tout mon loisir créatif par thème dans les meubles Kallax. Alors, ce qu'il y a, c'est que si j'ai besoin de quelque chose, ça va me permettre de mettre un peu de tout dans mon petit sac. Et comme ça, quand je veux créer, hop, j'emmène mon petit sac avec mes affaires et après, je pourrais replacer. Parce que je ne me vois pas aller à chaque fois dans le meuble, prendre un truc, revenir, repartir, revenir. Alors, je mettrai plusieurs. Comment ça? Plusieurs choses à l'intérieur et je replacerai après. Donc ce petit sac, il était à 2,99 €. Et j'ai trouvé mignon. Moi, je vais jeter le prix parce que comme ça, je vais pouvoir m'en servir. J'avais retiré la tâche. Ah non, il est là. Voilà. Alors, j'ai pris des pinces avec des cœurs. Alors, oh, il n'y a même pas le... À 2 euros. Alors là, c'est 2 euros. Oh, pardon. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, c'est marqué 2 euros. Et j'ai une décote de moins 60%. Voilà. Je vais mettre dans le petit panier, comme ça je vais pouvoir ranger. J'ai pris des cornes. Alors, c'est plutôt des cornes à pâtisserie au prix de 79 centimes. Mais moi, je ne les ai pas pris pour la pâtisserie. Alors, j'en ai une. Voilà, j'ai collé un petit papillon. C'est pour, vous savez, quand on fait les albums, pour replier le papier. Et moi, ça va vraiment très bien. Je remercie donc Nathalie, une amie, qui m'a fait découvrir ceci. Bon, moi, je connais parce que j'en ai de pâtisserie, mais je ne savais pas qu'on pouvait aussi bien s'en servir pour faire nos albums. Et c'est à peu près le même principe. Comme ça, on replie le papier et ça va très bien. Puis on emmène quand même une grande largeur. Alors voilà, j'ai pris donc deux cornes. J'ai dit 79. Oh, c'est même pas 79, c'est 75. Voilà. Ça, je vais les laisser. Non, je vais les laisser là. Alors, là. C'est des pins. Oh, c'est rigolo. Alors, il y a trois pièces. J'aime bien l'arrobase. Et c'était 69 centimes. Alors, je vais boire mon petit café. Je me suis fait un petit café. C'est un café. Comment dire? Un café latte au goût spéculoos. Après, j'ai pris. On verra après. C'est quoi ça? Alors. Je vais regarder.
c'est des petites. Ah, ok. Des petits stickers. C'est pour marquer. Ah, il y a une mouche qui est rentrée. Voilà. Je vais ouvrir ma fenêtre. Attendez, j'ouvre ma fenêtre pour qu'elle ressorte parce qu'elle ne va pas sortir. Je vais plutôt ouvrir comme ça. Voilà. Oui, c'est comme pour marquer des mots, des petits blocs-notes, voilà. Et c'était au prix de 69 centimes. Ça, je vais mettre dans le petit panier. Alors, j'ai pris des charmes. Alors, les charmes, ils étaient à 1,50€. Ça doit être tous les mêmes. Je ne sais pas si c'est tous les mêmes. Si, c'est tous les mêmes. C'est une pendule, c'est d'horloge. Je vais pas l'ouvrir. Oh si, je vais les ouvrir. Comme ça, je vais les replacer dans la boîte. Ils seront placés tout de suite. Donc déjà, je vous redonne le prix 1,50€. Ah oui. Ah si, c'est tous les mêmes. Elles sont belles. Donc il y en a 6. Je vais laisser ça là. Après. Alors il y avait ce pochoir à 89 centimes. Voilà, ce pochoir. Moi, j'aime bien les fresques qu'il y a. Donc ça, je vais le laisser là parce que la boîte à pochoir, elle est ici. Alors, j'ai pris aussi celui-ci. Pareil, 89 centimes. Ça, on peut, par exemple, on fait l'étiquette, on met le mot. Au lieu d'avoir une étiquette, ben, on fait le fond comme ceci, puis on met notre sentiment. Pareil, je vais le laisser là. Alors, j'ai pris des feuilles. Alors, je regarde. Oui. Alors, j'ai pris des feuilles comme ceci. Voilà, j'ai pris ces feuilles-là. Elles étaient au prix de 59 centimes. Et j'ai pris celles-ci. Je les aime bien. Pareil, au prix de 59 centimes. Bon, je vais les mettre dans les petits paniers. Je vais les replacer dans ce qui est automne. Alors, j'ai pris ceci. Alors, c'est de chez Artemio. Alors, 1,20€. Je vais les retirer, comme ça, je vais les replacer dans la boîte. Je m'excuse tout de suite. Et, oh, c'est beau, c'est que des chats. Oh. C'est que des chats. Vous allez bien voir ma plaque,
Je sais même pas ce qu'elle est. Elle n'est pas là. Donc, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, elle doit être là. Ouais. On va voir. Ça, je vais jeter. Il y a des beaux petits chats. C'est que des chats. Vraiment. Eh bien, il y a de quoi faire. Il y a des beaux chats. Il y en a deux. Plein de chats. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien, mais c'est que des chats. Ils sont vraiment beaux. Je vais les remettre dans le sac tant que je vous remontre. Ils étaient à 1,20 €. Oh, j'ai pas vu. Je vais passer le truc. Ah, 18 pièces. Ça, je vais regarder. Oh, je sais pas. J'aurais pu les compter. Oh, il y a une mouche. Qu'elle vienne pas m'embêter. Bon, ça, je vais les replacer dans la boîte des embellissements en bois. Donc ça et ça, c'est replacé dans les boîtes. Après, alors j'ai pris ces, j'en ai pris deux, j'ai pris ces cutters. Là, je ne vais pas les déballer tant qu'ils étaient au prix de 2,99 €. Et le coup d'avant, eh ben, j'en avais pris un. Mais il va vraiment bien, c'est pour couper mes calendriers, pour faire mes structures d'albums. Et vraiment, il est bien maniable. Là, vous avez, je l'avais déjà présenté, vous avez une petite, vous appuyez dessus une petite, un petit bouton, c'est pour retirer la lame. Et hop, et là, elle est mise. Donc là, vous avez la protection de la lame. Et là, vous avez un bouton. Vous appuyez. Là. C'est pour replier votre cutter. Comme ça, il prend vraiment pas de place. Alors, j'en ai pris deux. Et je vous dis, c'était 2,99 €. Donc ça et ça, ça va être à placer dans du matériel. Donc ça, c'est pas sa place. J'ai pris du ruban. J'ai trouvé vraiment beau. Je suis en train de regarder. Voilà, j'ai pris ce ruban là. Je sais pas si voilà. Oh, avec la, le jour, le soleil. Voilà, j'ai pris ce ruban là. Ça m'embête, je vais pas l'ouvrir après. Alors, je suis en train de regarder combien qu'il y en a. Il y en a 2 mètres et fait 2,5 cm. Alors, je l'ai pris en orange. Ah, ils étaient au prix de, je ne sais plus. Je vais voir que je regarde si... alors, bobine, ruban, tissu. Voilà. 59 centimes.
Il était à 59 centimes et j'ai pris le bleu. Oh, si, je vais peut-être en ouvrir. Est vraiment beau. J'essaie de remettre le fil. Mettre le film autour. Alors, je crois que je vais mettre un petit morceau de scotch. Oh non, c'est bon. Donc ça, c'était 59 centimes, mais je vous dis, il y en a 2 mètres. Donc ça, je vais le laisser là. Et j'ai pris celui-ci. Alors, il était à 60 centimes. Mais je ne vois pas la dimension. Moi, je retire ça. Alors, 3 mètres. 3 mètres. Et je voudrais voir comment il est. Waouh! Il est beau aussi celui-là. Voilà. Il est nacré. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau celui-là. Je vais mettre celui-ci sur mon album. Tiens, ça serait bien. Et il était à 60 centimes. Après, j'ai pris des étiquettes adhésives. Je prends un petit peu mon café. Alors, j'ai pris des étiquettes adhésives comme ceci. Alors, elles étaient à 39 centimes. Je vais regarder comment elle sent. Parce que je vois pas. Ah. Ah d'accord, il y en a deux. Il y a deux feuilles. Deux. Il y a quatre feuilles. Voilà. En tout, il y a 4 feuilles. Et c'était pas marqué. Voilà. En tout, il y a 4 feuilles à l'intérieur. Donc, c'est les mêmes. Et pareil, comme j'ai pris ceci, pareil, il y a 4 feuilles. Pour 39 centimes. Voilà, c'est les mêmes. Donc ça, je vais les remettre dans le panier parce que je vais les ranger dans ma là-bas. Après, j'ai pris ceci. Oh, il y en avait plein. Alors, 2,99 €. C'est une plaquette de ruban. Je vais l'ouvrir. C'est du ruban à galant, mais oh maintenant je ne vais même pas l'ouvrir parce que là vous voyez comment il est. Il est très fin et en plus il est brillant. Et je ne sais pas combien il y en a. Ah, 25 mètres. Waouh, ça fait beaucoup. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y en ait 25 mètres. Il faut 2 mètres.
Donc c'est bizarre quand même. Parce que sur l'étiquette, je sais pas, mais on voit c'est marqué 25M. Mais il y a le carton. Je trouve pas qu'il y a une si grande quantité de rubans. Ça fait rien. Il était au prix de 2,99 €. Après, j'ai pris. Alors ça, je vais. Les rubans, ça va être là. Je vais le mettre dedans. Je vais le ranger après. Alors, j'ai pris une plaque à embosser. C'est pas souvent que je tombe dessus. Et je l'ai vraiment trouvée belle. Alors, elle était à 1 euro. Voilà, 1,99 €. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà le modèle. Elle est vraiment belle. Enfin, je fais ces essais, mais elle est vraiment magnifique. Pour 1,99 €, oh, vraiment, vraiment bien. Donc ça, la plaque embossée, ça se trouve devant moi. Donc je vais les mettre avec mes pochoirs. Alors, j'ai pris, alors là je l'ai vu, mais trop tard. J'ai pris ces dies-là. C'est pour faire des. Ça, c'est des feuilles de houx. Alors, je pense que ça sera pour faire des. Pour Noël. Que je vais. Mais je l'ai trouvé vraiment beau. Et. Par contre, le prix. Voilà. Je l'ai vu après et il est à 7,50 €. Après, je me suis dit. J'aurais peut-être pas mis ce prix-là. Mais bon, je l'ai vu, mais qu'après. Mais bon, je sais que ces matrices de découpe là, elles découpent vraiment bien. Mais bon, je pense pas. Bon, il était trop tard, je l'avais mis dans mon panier, mais je l'avais pris et puis je n'ai pas regardé le prix. Mais ça fait rien. Je l'ai, je suis contente. Et ah oui, voilà, motif ou. Motif ou. Ah non, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. J'aime bien. Donc ça va aller dans là aussi. Après, j'ai pris. Ah, j'ai pris ceci. Donc ça, je le mets de côté. C'est pour. Alors, j'ai pris ceci. Alors, je ne sais pas. Mon champ rétractable. 4. Voilà. J'ai pris ceci. C'est des. Comment ça? C'est pour faire de la décoration sur des pots en verre. Voilà. Je vais regarder comment. L'autre, je vous le montrerai après. Je vais déjà regarder celui-ci. Je sais qu'il y avait des modèles. Ah, ça, c'était au prix de 79 centimes. Donc, je pense qu'ils vont expliquer comment on fait. Alors. Wow, c'est pas écrit en. Ça n'est pas écrit en français. Donc on découpe. Ah, d'accord. Aïe, j'ai compris. Alors,
On découpe le motif. On l'applique sur le support. On prend une pince. On le trempe dans l'eau. Alors, dans l'eau, là, à 80 degrés, on le laisse pendant 10 à 20 secondes et on le ressort avec la pince. Et mais je voudrais savoir sur quoi. Va falloir que je regarde ça. Waouh. Alors, il y a les écureuils. Après, il y a la biche. Il y a les oiseaux. Encore une biche. Il va falloir que je regarde ça au plus près. Que j'aille voir sur un. Alors, mon champ. Matériel nécessaire, manchon rétractable, attache, ciseaux, pince. Mais marque pas sur quel support on peut mettre ceci. Moi, j'irai voir sur Internet. Bien parce que là, il y a. Alors, parce que là, je vois, ils ont fait une décoration sur des boules. Alors, j'irai voir si. Là, c'est pour. Ouais, là, il y a pour quatre décorations pour mettre sur des boules. Oh, j'essaye. Donc, là, je vais mettre ça dans le panier. Je placerai dans les affaires de Noël. Et j'ai pris celui-ci. Wow. Pareil. Alors, il y a les chevaux, il y a un renard, il y a un cerf, mon champ rétractable. Bon, c'est pareil. Donc, pareil, c'est 79 centimes. Bah, j'essaierai, mais au moment de Noël, j'essaierai d'en faire. Là, pour l'instant, je vais laisser ça là. Après, j'ai pris ceci. C'est un rouleau adhésif. Bah, je vais pas vous le déballer. Ah, il était à 1,99 euros. C'est parce que je garde des fois des couvercles de boîtes à chaussures. Je les recouvre de papier adhésif. Comme ça me sert de plateau. Et là, je ne l'ai plus. Celui que j'avais, je ne l'ai plus. Ah, il doit être de l'autre côté. Donc, et ben comme ça, je vais le ranger là. Donc, celui-là, il va là. Et puis, je me suis pris des matrices de découpe. Alors, il y avait donc pour 1,99 euros, il y avait une abeille. C'est vraiment un coup de chance parce que. Voilà, il y avait cette abeille pour 1,99 €. Encore une mouche qui vient de rentrer. Ah, elle est ressortie. Il y avait aussi cette rose. Pareil, 1,99 €. Et il y avait ce papillon. Voilà. Donc voilà mes achats que j'ai faits chez nous. Donc ça va aller là. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à ranger. Et puis, je dis, j'étais vraiment à la bourre, j'avais pas fait ma vidéo. Alors, je vais quand même la faire pour pouvoir ranger mes affaires.
Et puis voilà. Et ben moi, sur ce, je vais ranger tout mon matériel et je vous dis au revoir et profitez de ce magnifique beau temps et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!